25 mai 1963, 25 mai 2013. Voilà 50 ans que l'Organisation de l'Unité africaine a été portée sur le fonds baptismaux à Addis Abeba, en Éthiopie, par les pères fondateurs. Il faut dire que c'est lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en juillet 2012 que la décision fut prise de commémorer de manière historique et mémorable le 25 mai 2013, date anniversaire des 50 ans de l'OUA-UA. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays phare du panafricanisme, abritant depuis belle lurette sur son sol des entités institutionnelles de l'Union africaine, à l'instar de l'Union africaine Safgrad, ne pouvait dès lors être en reste. Le top départ des activités a été lancé solennellement ce lundi 20 mai à la salle des banquets de Ouaradougou par le premier ministre du pays, Luc Adolf Diaw, en présence de la plupart des membres de son gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. Et l'on a noté la présence massive de nombreux invités, composés essentiellement d'officiels, des autorités coutumières, du personnel de l'UA Safgrad, des communautés africaines vivant dans le pays, des associations panafricanistes ainsi qu'un parterre impressionnant de journalistes. Parmi les invités de marque, le corps diplomatique, principalement les plénipotentiaires des États membres de l'organisation panafricaine. La dite cérémonie de lancement a été présidée par Son Excellence le Premier ministre Luc Adolf Diaw, représentant Son Excellence le Président Blaise Compaoré et en présence du coordonnateur de l'UA Safgrad, Dr Ahmed El Mekas. Tout en saluant la vision des pères fondateurs de l'OUA qui ont résolument conduit l'Afrique vers l'intégration, Luc Adolf Diaw a affirmé que l'Afrique tient aujourd'hui entre ses mains son propre destin. Le coordonnateur de l'Union africaine Safgrad, Dr Ahmed El Mekas, premier à prendre la parole, il a de prime abord campé les enjeux de la célébration du jubilé d'or de l'OUA-UA. Il a notamment rappelé la décision prise par les dirigeants africains en 2012 à Addis Abeba de faire de 2013 l'année du cinquantenaire. Il est revenu sur le rôle visionnaire des pères fondateurs, dont entre autres Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Gamal Abdel Nasser et Maurice Yamego, premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, Djibril Bassolé, s'est appesanti sur la genèse de l'UA et l'esprit d'unité des pays membres qui sont passés de 34 à 54. Créé dans un contexte de décolonisation, l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue Union africaine, est passée de 32 à 54 États membres. L'élan de l'exploration de l'image de l'Afrique, de solidarité et d'intégration propulsé par l'OUA a permis de bâtir le socle d'un espace régional de paix, de stabilité et de progrès socio-économique. Entre discours et prestations d'artistes, l'un des moments émouvants de cette matinée de lancement fut l'arrivée du flambeau tenu entre les mains de deux enfants symbolisant l'avenir radieux du continent. Une fois les différentes allocutions prononcées, pouvait alors retentir l'hymne de l'UA suivi du Titanier, l'hymne national du pays. Enfin, place au débat. Le professeur Samuel Fallo est revenu sur la genèse de l'organisation, les leaders du panafricanisme, l'Afrique face à la mondialisation et certains préjugés. Juste le temps de prendre une pause à la mi-journée, les participants et le public ouagalais, avec à sa tête le ministre Djibril Bassolé, se sont retrouvés à 16h devant le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale pour un cross populaire. Toujours en tête de peloton, le ministre Djibril Bassolé, le coordonnateur de l'UA Safgrad, en compagnie de leurs proches collaborateurs et d'autres athlètes, ont parcouru environ 5 km, galvanisés par l'orchestre qui distillait des sonorités à la gloire de l'Union africaine.
Le deuxième jour, autorités coutumières, religieuses et administratives ainsi que la population du secteur 21, 6 au quartier Kosodo, se sont retrouvés à un rond-point en construction sur l'avenue du San Mantenga au 5e arrondissement. Une place a été baptisée Place de l'Union africaine. L'identification de cette place ne relève pas du hasard. Elle sera, dans les prochaines années, l'un des carrefours les plus importants de la capitale et de la sous-région. Le clou des célébrations a été sans nul doute ce baptême de la nouvelle place publique de l'Union africaine. Ainsi, après le rond-point des Nations unies, il faudra désormais s'habituer à celui de l'Union africaine. L'organisation panafricaine donne désormais son nom à un important carrefour situé à l'intersection de deux grandes routes, dont celle menant au futur grand aéroport international du pays, dénommé Dansin. Le tronçon de route reliera ce carrefour à l'aéroport international de Dansin. Nécessairement, les étrangers qui foulent le sol du Burkina Faso pour la première fois passeront par cette place et se souviendront donc que le Burkina a voulu magnifier l'intégration et l'unité africaine. Une autre place publique importante située à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, sera baptisée du nom de l'UA en juin prochain. Le coordonnateur de l'UA, Dr El Mekas, après avoir remercié le peuple et le gouvernement burkinabé, a salué, au nom de la Commission et de l'Union africaine, l'important rôle que joue le Burkina Faso dans l'avènement d'une Afrique unie, prospère et en paix, comme l'ont souhaité les pères fondateurs réunis à Addis Abeba en 1963. Monsieur Dabiri a animé une conférence débat le même jour à 11h au ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale sous le thème « Union africaine et partenariat stratégique ». La parenthèse festive a tenu toutes ses promesses dans la nuit du 21 mai 2013 au Sénaza à la faveur d'une soirée baptisée Nuit africaine. Une bonne brochette de célèbres artistes burkinabés y ont pris part aux côtés des troupes traditionnelles burkinabées, togolaises, ghanéennes ou encore béninoises. Réunis dans un grand théâtre du centre-ville, à l'appel du bureau de l'UA Safgrad, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et la société civile burkinabé, un public de plusieurs centaines de personnes a débattu du thème panafricanisme et renaissance africaine. Les participants ont fait face, pendant plus de 4 tours d'horloge, à une demi-douzaine de panélistes, essentiellement des professeurs d'université et des membres de la société civile. Dans leurs interventions, Mme Martine Yabri de la société civile et Dr Jocelyne Vokouma, chercheuse anthropologue, ont mis l'accent sur la contribution décisive des femmes dans le panafricanisme, notamment avec la création de l'Organisation panafricaine des femmes bien avant l'OUA. Les questions frontalières ont été abordées par le professeur Yen de l'Université de Ouagadougou, tandis que le jeune professeur Abdoulaye Soma, agrégé en droit constitutionnaliste, a fait étalage de toute sa précoce érudition en axant son intervention sur panafricanisme et droit constitutionnel. Quant à l'éminent professeur Basile Guissou, délégué général du Centre national de recherche scientifique et technique, il a invité la jeune génération à être optimiste, nonobstant les nombreux défis comme le chômage et la pauvreté, et à perpétuer l'héritage des premières générations de panafricanisme en l'instant de Kwame Nkrumah, Joseph Kizerbo, Cheikh Kanta Diop, etc. L'historien Samuel Fallo est revenu sur les origines du panafricanisme ainsi que le sens de la renaissance africaine. C'est vers 18h30 que la conférence s'est terminée sur une note générale de satisfaction de la part des participants. Promouvoir une Afrique intégrée en magnifiant les idéaux du panafricanisme et d'une Afrique renaissante, tel doit être le credo des citoyennes et citoyens de la Nouvelle-Afrique. Aussi, armée de la pensée panafricaniste, la nouvelle Union africaine n'a jamais été aussi proche de concrétiser l'ambition des pères fondateurs. Le cap est désormais mis sur 2063 pour une Afrique unie et prospère. Happy birthday to OAU, AU.